De retour de mission, des gendarmes du Val d'Oise sont intrigués par un véhicule suspect. Une Renault grise, dangereusement arrêtée le long d'une voie rapide. Porte passager ouverte. Je décide de contrôler le véhicule et ses occupants. Je mets le gyrophare. À l'approche des gendarmes, un homme remonte précipitamment dans la voiture qui prend la fuite. Là, on part en course-poursuite direction Sarcelles. Les gendarmes ignorent tout de l'identité des fugitifs. Là, je me dis que j'ai affaire à des gens, oui, qui feront tout pour essayer de nous semer. On poursuit le véhicule jusqu'à un rond-point où se trouve l'église chaldéenne en direction de Sarcelles. Là, on fait deux fois le tour. Ils ne savent pas où ils vont. Je vois le passager qui oriente par des gestes la direction à prendre. 400 mètres plus loin, un feu rouge bloque la circulation. La voiture des fugitifs est immobilisée. Donc là, on descend du véhicule pour essayer d'interpeller au moins le conducteur. Ah, c'est tendu, ouais. Au moment où on arrive dessus, malheureusement, le feu repasse au vert. Et j'ai juste le temps de... essayer de saisir son bras. Ma main heurte sa tête, ce qui fait lui retirer sa casquette et ses lunettes. Sur le coup, j'ai pas reconnu. Les fugitifs redémarrent en direction de Sarcelles. Après 6 km de course-poursuite, leur voiture pénètre dans le parking souterrain d'un centre commercial. J'arrivais au souterrain, j'ai mis mon véhicule en travers pour bloquer l'issue. On ne sait pas à qui on a affaire, on ne sait pas s'il y a des armes. On est prudent. Le gendarme tente de suivre la piste avec son chien. La voiture est abandonnée, moteur encore allumé, mais aucune trace des passagers. Il faut attendre le soir et l'identification par la vidéosurveillance pour que le gendarme comprenne qu'il a failli arrêter par hasard le fugitif le plus célèbre de France. 5 heures après, j'apprends que c'est Faïd Redouane. Voilà. Je me dis que je l'ai loupé. L'interpellation de Redouane Faïd se serait jouée à quelques minutes. Et s'il avait échappé de peu à la police ? L'homme aurait été repéré à Sarcelles, près de Paris. Une course-poursuite a eu lieu. Juillet 2018. Redouane Faïd est le fugitif le plus recherché de France. Le voici sur des images inédites. Redouane Faïd, accompagné de son frère Rachid, visiblement très détendu avec les clients de ce café internet à Paris, bien loin de l'image d'un homme en cavale. Pourtant, 12 jours plus tôt, il s'est évadé de prison. Une exfiltration spectaculaire en hélicoptère. Ma réaction, c'est comment c'est possible qu'il s'évade encore, justement ? Et je pense au départ spontanément à une blague. Nouvelle évasion du braqueur Redouane Faïd. Redouane Faïd est de nouveau en cavale. Une nouvelle fois, le criminel de 47 ans fait la une des médias. Car depuis 2010, Redouane Faïd est devenu un habitué des plateaux de télévision. Bonjour Redouane Faïd. Bonjour. Merci d'être là. Depuis la parution de son livre, dans lequel il raconte sa vie de braqueur, Faïd se présente comme un repenti. On a tourné la page, et puis maintenant c'est mieux comme ça. Jusqu'à l'attaque ratée d'un fourgon blindé et la mort de la policière municipale Aurélie Fouquet. Soupçonné d'être l'organisateur du braquage, Redouane Faïd retourne en prison. Il s'évade une première fois en 2013. Il nous dit, faites pas les cow-boys, ça sert à rien pour 1 400 euros, ça c'est pas la peine quoi. Une deuxième en 2018. Et renforce ainsi sa réputation de roi de la belle. Vous laissez femme et enfant, et c'est parti pour 3 mois intenses. Comment les autorités ont-elles traqué le fugitif ?
Pour quelqu'un qui s'était évadé le 1er juillet, dormir en forêt, ça veut dire que vraisemblablement, il n'y a pas beaucoup de moyens financiers derrière. On identifie parmi les vêtements retrouvés un t-shirt orange qui était porté par Redouane Faïd au moment de son évasion. Ce qui a attiré notre attention, c'était la corpulence et la taille des individus qui portaient les burqas, qui manifestement n'étaient pas des femmes. Y a-t-il eu des défaillances de l'administration pénitentiaire ? Madame la ministre, quand une telle faillite est ressentie comme inévitable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Comment un pistolet automatique et des explosifs en quantité peuvent se retrouver dans une prison sécurisée. Donc là, on sait très bien que, de toute façon, on nous attend à l'oreille du bois, c'est évident. Je souhaite tirer toutes les conséquences qui devront en être tirées. Grâce à des témoignages exclusifs, Cellule de Prise vous plonge au cœur de la traque de l'homme le plus recherché de France. Au cœur de l'hiver 2012, l'administration pénitentiaire organise en urgence le transfert de Redouane Faïd. Le directeur de la prison de Fresnes, où il est détenu depuis 10 mois, est convaincu que le braqueur prépare une évasion. Dans un rapport à sa hiérarchie, il détaille les informations en sa possession. Il apparaît que la personne détenue est tentée d'approcher les personnes condamnées pour des faits de terrorisme, afin d'obtenir des informations sur l'introduction de matières explosives. Ces éléments laissent redouter une volonté de l'intéressé de se soustraire à son incarcération par le biais d'une évasion. Les autorités choisissent de transférer Redouane Faïd à la prison de Lille-Sequedin. Un établissement ouvert en 2005 et réputé sécurisé. C'est un établissement qui est doté de Mirador, qui est doté d'un système de vidéoprotection. C'est un parc pénitentiaire qui est en capacité de garder des profils sensibles, voire lourds. Redouane Faïd est classé détenu particulièrement signalé, un DPS en jargon pénitentiaire. Il est soumis à des conditions de détention renforcées. L'arrivée du braqueur dans la prison ne passe pas inaperçue. Christophe est l'un de ses surveillants à Sequedin. Il parle sans autorisation, l'interview a été reconstituée. Quand un détenu médiatique comme ça arrive sur un bâtiment, comme c'était un gros profil, le plus gros profil qu'on avait, tout le monde allait vers lui. J'ai observé d'ailleurs que tous les autres détenus de Sequedin étaient à ses pieds. Ils étaient sous l'influence de Faïd. Après seulement un mois, les surveillants s'alarment. Redouane Faïd prend de l'ascendant sur ses co-détenus. Le 25 décembre 2012, un collègue de Christophe rédige une note dans le cahier électronique de liaison. Un logiciel qui recense toutes les observations faites sur les détenus. Il passe son temps à discuter énormément avec la personne détenue BS, mais également FA. Ces derniers pourraient être sous son influence pour un éventuel mouvement ou autre au sein du bâtiment B, à surveiller de très très près. Malgré cette alerte, progressivement, la tension des surveillants se relâche. Alain Gégaud est alors directeur régional de l'administration pénitentiaire, en charge notamment de la prison de Sequedin. Faïd Redouane va être extrêmement respectueux avec le personnel. Il va faire en sorte de se faire oublier. Il n'y aura pas d'incident avec, avec un délinquant comme celui-là.
Au départ, c'est sûr que quand il arrive, on est tous un peu à l'affût. Après, au fur et à mesure des mois qui passent, on voit rien et la routine s'installe. Après, peut-être qu'on est un petit peu moins vigilant sur certains points sécuritaires. Depuis 4 mois et demi, Redouane Faïd est un détenu exemplaire. Ce matin-là, il a rendez-vous avec son frère Abdeslam pour un parloir, comme c'est le cas 2 fois par semaine. À la main, son sac de linge sale qu'il doit remettre à son frère. En dépit de son statut de détenu signalé, Redouane Faïd n'est soumis à aucune palpation de sécurité en sortant de sa cellule. Il descend au parloir, situé au rez-de-chaussée de la prison, près de la cour extérieure. Là, avec d'autres détenus, il attend d'être appelé par les surveillants pour rejoindre son frère dans un box. Gérard Carré attend lui aussi pour un parloir. J'étais à côté de Faïd Redouane et je ne connaissais pas. À un moment donné, il s'est retourné, il s'est mis à genoux et il a commencé à défaire des affaires de son sac. Là, moi, je pensais qu'il avait oublié sa carte d'identité. Alors, je regardais. Et il m'a regardé d'un œil noir. J'ai compris que ce n'était pas le moment de lui donner un coup de main. Donc, j'ai regardé autre part. Redouane Faïd sort un pistolet de son sac de linge. La porte s'est ouverte et lui s'est précipité. Il a mis, une sorte de bonnet sur sa tête. Et après, bon, j'ai attendu un coup de feu. Redouane Faïd menace une surveillante avec son arme, puis tire en l'air pour prouver qu'elle n'est pas factice. Du côté famille, Isabelle attend dans un box pour une visite. Tout d'un coup, j'entends « il est armé, c'est une prise d'otage ». Voilà, donc là, je suis un peu... Je me dis oui, enfin qu'est-ce qui se passe, enfin voilà. Et puis j'ai vu passer une personne avec une arme sur la tente d'une autre personne. Avec 3 surveillants sous la menace de son arme, Faïd prend la direction des parloirs. Miguel Langlais, surveillant à Sequedin, commence sa journée de travail. Il va se retrouver pris au cœur de l'évasion. Et là, j'entends la chef qui dit « c'est une prise d'otage, c'est Faïd ». Dès que j'ai entendu Faïd, tout de suite, on comprend que c'est pas faux et puis il va se passer quelque chose. Je me dis pas que je peux être en danger. Je me dis « faut que j'y aille, je sais pas, c'est l'instinct professionnel ». Redouane Faïd se dirige vers la salle d'attente des familles, qui donne directement sur la cour intérieure de la prison. Il détient 3 surveillants en otage. Depuis la fenêtre du couloir, Miguel Langlais observe la scène. Il y a une petite lucarne, et là je vois qu'à l'intérieur, il est en train de mettre quelque chose sur la porte en face. Et là, il me voit, et il me dit, t'es là, tu restes là. À ce moment-là, vous savez que vous avez une personne armée en face de vous, et vous connaissez le pédigré du bonhomme, vous me dites, je pense que ça va faire mal. De son sac, Redouane Faïd sort un pain de plastique qu'il pose sur la porte. Puis il écarte les surveillants. La porte explose et il y a un bout de serrure qui passe à 10 cm de ma jambe. La première explosion, elle me surprend parce que on bouge pas les oreilles. J'ai jamais entendu une explosion aussi forte, à part les pétards. Donc... je me dis, ça y est, on y est, quoi. Ça n'existe pas que dans les films, quoi. Redouane Faïd se retrouve dans la cour intérieure avec ses 4 otages. Il emprunte le chemin dédié aux familles qui rendent visite aux détenus. Il sait où il doit aller, exactement où il doit aller. On n'a même pas besoin de lui dire, voilà. Il sait exactement où il doit aller.
Alain Jégot est chez lui lorsqu'il est prévenu de l'évasion par le directeur de la prison de Sequedin. Moi, pour ma part, je suis informé dans les 7-8 minutes qui suivent le début de l'évasion. La première question que je me suis posée, c'est comment un pistolet automatique et des explosifs en quantité peuvent se retrouver dans une prison sécurisée. Préfet, police, gendarmerie, l'alerte remonte jusqu'aux plus hautes autorités. Lorsque les premiers policiers arrivent sur place, l'évasion est toujours en cours. Les instructions sont claires. Aucune action avant l'arrivée du GIPN, le groupe d'intervention de la police nationale. À l'intérieur de la prison, toujours muni de ses pains d'explosifs, Faïd fait sauter une deuxième porte. Il nous dit, faites pas les cow-boys, ça sert à rien pour 1300 ou 1400 euros, ça c'est pas la peine, quoi. C'est pas la peine. Pensez à votre famille, à vos enfants. Enfin, il nous fait comprendre que ça sert à rien de faire le héros, quoi. Le braqueur et ses otages arrivent à la troisième porte. Les surveillants des Miradors sont armés. Pour éviter d'être pris pour cible, le détenu demande aux otages de former un bouclier humain autour de lui. Le pire, on l'imagine toujours dans ces moments-là, mais après, oui, dans ma tête, c'est pourvu qu'il y arrive, pourvu que ça se passe bien, pourvu qu'il n'y a pas un collègue qui fasse n'importe quoi, pourvu qu'il sorte. Redouane Faïd fait sauter la dernière porte, celle qui le conduit à l'extérieur de la prison. 24 minutes se sont écoulées depuis le début de la prise d'otage. Le braqueur se retrouve face aux policiers. Les premiers intervenants sont là. Ils assistent en fait à la fin de l'évasion. Ils se situent à l'extérieur, évidemment, de la maison d'arrêt. Et ils voient la dernière porte exploser, avec la fumée, l'odeur qui se dégage. Ils ne peuvent pas agir sans mettre en danger la vie des otages. La numéro 2 de la PJ lilloise est accablée. Ce sont ses équipes qui ont arrêté Faïd en juin 2011. Quand on apprend l'évasion de Faïd Redouane, l'équipe est quelque part en rage. Parce que c'est quand même un camouflet pour la puissance publique qu'un homme de cette dangerosité s'évade d'une prison. Le braqueur et ses otages longent la prison en courant sur 500 mètres, jusqu'à un pont situé sous l'autoroute. Là, un complice attend Faïd dans une voiture. Le braqueur libère alors 3 des 4 surveillants. Il m'a dit, toi tu viens avec moi dans la voiture. Alors pourquoi moi, je sais pas. Dans ces moments-là, on dit pas oui, on dit pas non, on n'a pas le choix. Miguel Langlais se retrouve à l'arrière de la voiture avec Redouane Faïd. Le véhicule s'engouffre sur l'autoroute, direction Paris. J'ai eu peur, ouais. Oui, je me souviens très bien d'avoir eu peur. Ouais. Là, je lui dis, me lâche pas dans une banlieue ou un truc comme ça, parce que en uniforme, ça va pas le faire, quoi. Ça va pas le faire. Et il m'a dit, non, si tu fais pas le cow-boy, je te lâcherai, y a pas de souci. Quelques minutes plus tard, la Renault s'arrête sur la bande d'arrêt d'urgence. Miguel Langlais est relâché. Ah là, tout fait fondre. On pense à tout, on pleure. Hein, là, ça, on est soulagé, mais tout se ressasse, quoi, tout revient, et puis on s'effondre. On pense aux enfants, on pense à tout, quoi. Là, c'est dur. Hein. Le véhicule de Redouane Faïd et son complice sera retrouvé à 6 km de là, sur la commune de Ronchin, brûlé. C'est là qu'on perd la trace du braqueur.
Mais tout d'abord donc cette évasion spectaculaire ce matin, détenu issu du grand banditisme. Le braqueur Redouane Faïd s'est enfui de la prison en utilisant des explosifs et en prenant 5 personnes en otage. Redouane Faïd est le fugitif le plus recherché de France. Des barrages sont mis en place, des gendarmes déployés, des hélicoptères mobilisés. On a encore quelques espoirs de récupérer dans les minutes ou dans les heures qui suivent, c'est une course contre la montre, le fugitif. Les hommes de la police judiciaire de Lille sont les premiers mobilisés. Mais la traque s'étend à tout le pays. À Nanterre, l'Office central de lutte contre la criminalité organisée est mobilisé lui aussi. 130 policiers spécialisés dans le grand banditisme. Frédéric Douady est alors le patron de la Brigade nationale de recherche et d'intervention. La BRI est le bras armé des enquêteurs. Dans les premières heures, il peut se trouver dans un gîte à 10 minutes de la maison d'arrêt de Sequedin, comme avoir pris un avion à Bruxelles et être parti à l'autre bout du monde. Les policiers s'intéressent à tous les membres de son entourage qui ont la capacité de l'aider pour une évasion et une cavale. Vincent est le chef d'enquête. Il souhaite préserver son anonymat pour son travail de terrain. On va fonctionner par système de cercle. D'abord, l'environnement proche, famille, femme, enfant, puis la famille, puis les cercles professionnels ou criminels. Ce qu'on travaille évidemment dans ce genre de cas, c'est les parloirs. Et c'est la raison pour laquelle, dès la matinée, sont placés en garde à vue les deux individus qui avaient des parloirs réguliers avec Faïd Redouane, un de ses frères aînés, Abdeslam, et un de ses neveux. La piste familiale ne donne rien. Abdeslam Faïd, le frère de Redouane qui l'attendait au parloir, est rapidement mis hors de cause. Des centaines de policiers sont à l'heure qu'il est aux trousses de Redouane Faïd depuis son... Cette traque a une particularité qui change la donne. Elle est suivie en direct par les médias. L'homme désormais le plus recherché de France laisse derrière lui... Cette notoriété le dessert un peu en fin de compte, parce qu'à ce moment-là, d'une enquête normale, vous passez à une enquête extraordinaire. Donc derrière... Vous aurez, je dirais, tous des services de police qui vont être mobilisés qu'à ça, et certainement en nombre supérieur à ce qui aurait été si ça n'avait pas été Redouane Faïd. Donc sa priorité, ça va être de rester dissimulé, ça va être de passer sous les écrans radars. À quelques kilomètres de Nanterre, place Vendôme, la ministre de la Justice tient une réunion de crise. Henri Mas, le numéro 1 de l'administration pénitentiaire, a été convoqué en urgence par Christiane Taubira. Elle est comme tout ministre dont un des services a été pris en défaut par un événement brutalité, par une crise, si vous voulez. Donc elle nous demande de lui fournir des éléments d'explication. Qui autour de lui a pu l'aider? Quels sont ses antécédents? Donc quel est son niveau de dangerosité? Bon, pour les forces de police et de gendarmerie, quelle est sa détermination? Où est-ce qu'il a pu aller? Pour Christiane Taubira, l'évasion de Redouane Faïd tombe mal. La ministre de la Justice planche depuis plusieurs mois sur une vaste réforme pénale qui défend des peines alternatives à la prison. Ses détracteurs l'accusent de laxisme et l'évasion à coups d'explosifs d'un détenu comme Faïd leur donne du grain à moudre. Et puis elle décide d'aller à Lille, ce que nous faisons immédiatement ensemble. À Sequedin, les responsables de la prison doivent assurer le bon fonctionnement de l'établissement, en dépit des dégâts causés par l'évasion. La prison, après la sortie de Redouane Faïd, se trouvait dans une situation d'insécurité totale, puisqu'il n'y avait plus de porte d'entrée. On ne va pas pouvoir assurer le fonctionnement de l'établissement dans des conditions normales. Sequedin, c'est 800 détenus. C'est un samedi, donc c'est un jour de parloir. Donc ça veut dire qu'il faut aussi expliquer aux détenus que compte tenu de la situation de crise au niveau de l'établissement, les parloirs n'auraient pas lieu et maintenir les gens dans leurs cellules.
En fin d'après-midi, lorsque Christiane Taubira et Henri Mas arrivent sur place, la ministre demande à refaire le parcours de Redouane Faïd. Alain Jégot les accueille. Quand Christiane Taubira arrive à Sequedin, elle est quand même d'humeur assez désagréable, mais ça peut tout à fait se comprendre. Et donc demande à comprendre ce qui s'était passé et le pourquoi du comment. Ça me confirme ce que je sais, c'est-à-dire que c'est, si vous voulez, quand on fait sauter des portes de sortie d'une d'établissement pénitentiaire avec des explosifs, c'est exceptionnel, enfin, c'est quelque chose d'une intensité inconnue. Dans la foulée, une réunion est improvisée entre les syndicats du personnel et la ministre de la Justice. L'ambiance est électrique. Stéphane Le Serre, représentant local des surveillants, est sur place depuis le matin. C'est un genre de défouloir où on vit de nos sacs, quoi. On lui dit que c'était prévisible parce qu'on avait alerté à plusieurs reprises l'administration par des courriers, par des tracts, par de vive voix. Et on avait toujours dit que la maison d'arrêt de Sequedin, les parloirs, c'était une zone sensible. Prise à partie par les syndicats, Christiane Taubira menace de quitter la salle. La réunion est forcément dans un climat de tension, puisque nous venons de vivre ensemble tous un moment extrêmement dur, et surtout les personnels eux-mêmes. Alors, ils sont partie prenante dans cette affaire exceptionnelle. Donc on prend acte de ce qui vient de passer, et on partage avec eux la difficulté de ce qu'on vit, avec une tension évidente. Les syndicats de surveillants organisent des blocages dans tout le pays. L'évasion mine le terrain de la réforme voulue par la ministre. Elle va devoir lancer, en priorité, un plan de sécurisation des prisons. À Nanterre, pour retrouver le fugitif le plus recherché de France, les policiers déploient d'importants moyens de surveillance. Une cinquantaine de personnes sont mises sur écoute. Plus de 4 millions d'appels et de SMS sont analysés, sans aucun résultat. On a une constante, c'est-à-dire des fausses informations diffusées par ses proches ou par lui-même, aux fins d'orienter les enquêteurs sur l'étranger. On nous annonce Faïd Redouane aussi en Algérie. C'est la raison pour laquelle, dès le jour de l'évasion, la police judiciaire va le diffuser en mandat d'arrêt européen, en mandat d'arrêt qui va être transformé international via le canal Interpol. L'intéressé lui-même est un professionnel de l'intox. Pour remonter jusqu'à Faïd, les policiers suivent aussi la piste des complicités au sein même de la prison. Grâce aux vidéosurveillances, il découvre un étrange manège. Le 12 avril, veille de son évasion, le braqueur a rendez-vous avec son frère et son neveu pour un parloir. Sur ces images, Redouane Faïd qui sort de sa cellule. Dans sa main, un sac rouge censé contenir son linge sale. Le surveillant ne procède pas à la palpation de sécurité. Faïd salue des détenus, puis entre dans le local d'entretien dont l'accès lui est normalement interdit. Il en ressort 22 secondes plus tard pour se rendre au parloir. Qu'a-t-il fait ou déposé dans ce local-là? Toujours est-il qu'un chien spécialisé dans les matières explosives va remarquer au niveau d'un casier dans ce local-là. Pour les enquêteurs, Redouane Faïd vient de récupérer son arme et les explosifs. Il descend au parloir, mais celui-ci est annulé. Son frère et son neveu ne se sont pas présentés. Dans le jargon pénitentiaire, c'est ce qu'on appelle un parloir fantôme. Redouane Faïd revient en cellule. Comme le parloir n'a pas eu lieu, son sac de linge sale n'est pas fouillé. Par la suite, Faïd Redouane va avoir un comportement atypique, puisque d'ordinaire, il assiste à l'ensemble de ses promenades, il va à la bibliothèque ou à la musculation. Or, suite à ce parloir fantôme, on va constater que Redouane Faïd va regagner sa cellule et ne sortira plus du tout jusqu'au lendemain matin dans le cadre de son évasion. Thank you.
Les policiers placent en garde à vue le surveillant présent ce matin-là. Confronté aux images de vidéosurveillance, il reconnaît des erreurs. Vous me demandez pourquoi je ne suis pas intervenu. Sur la palpation, je reconnais, je ne l'ai pas fait parce que j'y ai pas pensé. Sa présence dans le local d'entretien, je n'ai pas fait gaffe qu'il est entré dans cette pièce. Ça aurait dû m'interpeller. J'aurais dû m'en rendre compte. Comment expliquez-vous cette succession d'anomalies ? La routine. Erreur de ma part. Ce qui est incroyable, c'est que le gardien n'ait rien vu. On a l'impression qu'il est totalement berné par Redouane Faïd. Il n'y a pas que les surveillants pénitentiaires qui se sont laissés berner par Redouane Faïd. La hiérarchie, elle aussi. En fait, deux jours avant l'évasion, une commission DPS s'est réunie. Elle devait statuer sur Redouane Faïd. Alors, dans cette commission, il y a le procureur, les services de police, les services de gendarmerie et bien sûr la direction de la prison. Et à aucun moment, un risque d'évasion de Redouane Faïd n'a été évoqué. Est-ce que depuis, l'administration a reconnu ses erreurs ? Alors, elle a reconnu des fautes individuelles, mais elle n'admet officiellement aucune défaillance de l'institution. Écoutez le directeur régional de l'époque, Alain Jégot. Le type, il est seul en cellule. Sa cellule fait l'objet de contrôles réguliers. Il est pris en charge quand il y a des mouvements à l'intérieur de la prison, quand il sort. Qu'est-ce que vous voulez faire de plus par rapport à la prise en charge d'un détenu ? Ça, c'est pour la théorie. Mais dans les faits, des défaillances, oui, il y en a eu. En fait, Redouane Faïd était soumis à un régime de détention plus strict. Sa cellule devait faire l'objet de contrôles et de fouilles réguliers. Il devait lui aussi systématiquement être soumis à des palpations de sécurité en sortant de cellule ou en revenant de Palois. Et ça, ce n'était pas toujours fait. Mais ça ne suffit pas, en fait, à expliquer l'évasion. Et les policiers restent persuadés que si une arme et des explosifs ont pu rentrer dans la prison, c'est grâce à une complicité interne. À la maison d'arrêt de Sequedin, l'enquête se poursuit pour identifier les complices qui ont pu faire entrer l'arme et les explosifs. Quasi tout le monde se soupçonne. Tout le monde se demande si... Enfin voilà, on se pose plein de questions à savoir qui, comment, pourquoi. C'était une ambiance, oui, glauque. Glauque, difficile à vivre. Les policiers suspectent un autre surveillant. Selon certains détenus, il serait connu pour faire entrer toutes sortes d'objets illégaux dans l'établissement. Il est placé en garde à vue. Réfléchissez bien. Ne pensez-vous pas qu'il serait temps de nous dire tout ce que vous savez sur l'évasion de Faïd Redouane ? J'ai jamais rentré des explosifs et des armes pour Redouane Faïd. Avez-vous fait rentrer autre chose que armes ou explosifs ? Oui, de la viande, des produits d'entretien, du parfum, des shampoings et aussi des cigarettes. Le surveillant sera révoqué, mais pas condamné. Les enquêteurs n'ont ni aveu, ni preuve d'un lien direct entre lui et l'évasion de Redouane Faïd. L'enquête sur les complicités au sein de la prison piétine. Mais la traque va connaître une brusque accélération. Quarante jours après l'évasion, les policiers reçoivent une information d'un de leurs indiques. Redouane Faïd aurait passé plusieurs nuits dans un hôtel de Roissy. Le fugitif serait accompagné d'un autre homme. Ils circuleraient ensemble, à bord d'une Peugeot grise. Sur ce type d'affaires, on peut avoir des tuyaux de gars qui auront un intérêt à donner une information qui permettrait peut-être, à minima, de le localiser ou d'identifier certains de ses complices. Ab initio, on ne sait pas si l'information elle est bonne, elle est mauvaise. Donc on va l'exploiter en allant récupérer dans tous les hôtels du secteur de Roissy, il y en a quelques-uns, les bandes vidéo, les parkings, les vidéos qui sont dans les hôtels en question. Image par image, les policiers épluchent des centaines d'heures de vidéos d'hôtels et de parkings. Un détail inattendu attire leur attention. Un des opérateurs de la BNRF va constater le comportement suspect d'un individu
sortant la tête de l'habitacle pour insérer son moyen de paiement au niveau de la barrière. Sauf que lorsqu'il va remettre sa tête dans l'habitacle, apparemment, il est muni d'un postiche puisque la perruque va bouger. Donc c'est à partir de ce moment-là qu'on pense avoir Redouane Faïd. Pour la première fois depuis l'évasion, après 6 semaines de traque, les enquêteurs tiennent enfin une piste solide. À votre avis, on est content ou on n'est pas content? Évidemment qu'on est content. Entre le moment où on exploite ta vidéo et le moment où on se dit que c'est lui, il n'y est plus. D'accord, il n'est plus à l'hôtel, hein. Il ne nous attend pas, pieds et poings liés, en se demandant pourquoi on met autant de temps à venir le chercher. Donc, ça veut dire qu'on a, oui, on avance, on a un fil à tirer. Grâce à cette image prise sur le parking, les policiers remontent jusqu'à un hôtel Ibis. 30 enquêteurs sont mobilisés pour éplucher à nouveau les vidéosurveillances de l'établissement. Cette fois, ils reconnaissent formellement Redouane Faïd. Il porte une perruque et des lunettes de soleil. Il sort de l'ascenseur, des sacs à la main. Sur une autre vidéo, les policiers le voient entrer dans l'hôtel, accompagné d'un homme. Là, on le voit en pied, on voit... Voilà, puis surtout, on détecte la présence d'un autre individu qui l'accompagne. Hein. Et pour le coup, celui-là, il a un nom. L'homme aux côtés de Redouane Faïd a réservé la chambre d'hôtel sous sa véritable identité, Hassan Bourouas. Âgé de 29 ans, il est connu des services de police pour vol et port d'armes, mais n'a jamais été incarcéré. Il a le profil parfait pour Redouane Faïd. C'est quelqu'un qui ne laisse pas de traces. On n'arrivera pas à lui remonter de ligne téléphonique. Et d'ailleurs, c'est une commande de Redouane Faïd pour avoir ce type d'individu à ses côtés. C'est un loup solitaire. Les critères demandés par Redouane Faïd, c'était quelqu'un qui n'allait pas lui amener la police, quelqu'un qui n'était pas recherché. Lorsque les policiers identifient Faïd, les deux hommes ont déjà quitté les lieux. Pour retrouver leurs traces, les enquêteurs sollicitent les groupes hôteliers dans toute la France. Ont-ils une réservation au nom d'Hassan Bourouas? Le 28 mai, la confirmation tombe. Un dénommé Bourouas occupe une chambre dans un motel de Pont-au-Combo, en Seine-et-Marne. La réservation, elle est en cours, par contre. Donc il faut tout de suite se projeter sur le terrain pour aller vérifier et surtout valider cette réservation et confirmer que dans cet hôtel, il y a premièrement Bourouas et surtout Redouane Faïd. Un important dispositif de surveillance est mis en place. Une trentaine de policiers planquent dans des voitures sur le parking. Ils se font passer pour des clients ou du personnel de l'hôtel. Ils guettent le retour de Redouane Faïd et d'Hassan Bourouas. À 22h40, les deux hommes regagnent leur chambre. Leur présence sur place est confirmée par des policiers en civil. Voilà, on est suffisamment bien placé pour confirmer que c'est bien lui qui utilise cette chambre et avec son homme de confiance. Donc une fois qu'il est dans la chambre d'hôtel, il y est. Donc il ne ressortira pas. La BRI nationale demande des renforts au PJ de Versailles et de Lille. Une centaine de policiers est sur place. Légalement, la police ne peut pénétrer dans un appartement avant 6h du matin. Mais dans les affaires de grand banditisme ou de terrorisme, les juges autorisent des assauts au milieu de la nuit. Le feu vert tombe par email à minuit 45. On va prendre le temps de s'assurer que les malfaiteurs sont bien endormis, donc on va attendre. Tant pis, on ronge notre frein, mais on attend pour être certain que l'opération se déroulera dans les meilleures conditions. Faïd et Bourouas occupent la chambre numéro 38. Elle est au premier étage, à l'entrée de la coursive. Une équipe de la BRI se met en position. Pour ne pas donner l'alerte, aucun client n'a été évacué. Toutes les sorties de l'hôtel sont bloquées. On va encercler l'immeuble pour permettre ensuite à la colonne d'intervention de venir se positionner. Mais au préalable, on a évité tout risque de fuite.
Quand on est appelé sur ce genre d'événement, on a forcément une petite appréhension. C'est one shot, hein. C'est pas, on n'a pas droit à un coup d'essai et puis on ne peut pas se reprendre si jamais on a loupé. Non, c'est, il faut être sûr, notre coup, quoi. Après 46 jours de traque, la BRI donne l'assaut. L'approbation est annoncée par la colonne. Qu'elle monte dans les escaliers, qu'elle s'approche de la porte, qu'elle va pénétrer dans les lieux. Bon, évidemment, il y a le top interpellation qui est annoncé au moment où la porte est ouverte. On a quelques secondes de silence et puis l'annonce du résultat de l'opération. Objectif serré, interpellé, et c'est surtout sans incident. L'opération a duré quelques secondes. Aucun coup de feu n'a été tiré. Redouane Faïd n'oppose aucune résistance. Il a vite compris qu'il ne pouvait pas jouer. Il sait qu'il ne pourra pas s'échapper. La différence d'individus qui pourraient être radicalisés, de malfaiteurs jusqu'au boutiste, on sait que Redouane, s'il a une porte de sortie, il va essayer de l'utiliser. S'il y a un petit trou de souris, il va vouloir le prendre. Mais là, il ne peut pas. Donc, comme il n'a pas envie de mourir, il ne fait rien. Il est groggy. Et puis, il sait qu'il est fait. Il a les menottes dans le dos. Et voilà, il monte dans la voiture et il ne va pas dire un mot jusque dans notre bureau. C'est l'info du jour, l'arrestation de Redouane Faïd. La cavale est terminée pour l'ennemi public numéro 1. Interpellé dans la chambre d'un hôtel, Redouane Faïd, qui était grimé puisqu'il portait une perruque et une barbe. Sous très haute surveillance, Redouane Faïd est transféré au palais de justice de Lille. Face au juge, il ne livrera jamais le nom de ses complices. Interpellé avec lui, Hassan Bourouas sera condamné pour transport d'armes. De son côté, l'administration pénitentiaire va tenter de tirer des leçons de cette évasion. Vous découvrez les images de la garde des Sceaux, la ministre de la Justice. C'est tout de même assez exceptionnel de voir Madame Taubira entrer à l'instant dans le studio d'Europe 1 pour répondre dans quelques minutes aux questions de Jean-Pierre Elkabbach dans ce drôle de décor, Maxime. Oh oui. Pendant 6 jours, Christiane Taubira ne s'exprime pas publiquement sur l'arrestation. Puis elle choisit la prison même où Redouane Faïd est incarcéré pour une interview exclusive sur son nouveau plan de sécurisation des prisons. Xavier Yvon. Depuis Robert Badinter en 1976 à Fresnes, aucun ministre de la Justice n'avait accepté de faire une émission en direct d'une prison. Vous lancez, Christiane Taubira, un plan pour renforcer la sécurité dans les prisons. 33 millions d'euros seront consacrés à de nouvelles technologies de surveillance. Est-ce qu'une nouvelle évasion de Redouane Faïd, qui est ici à Fleury-Mérogis et qui écoute peut-être s'il a une radio, ou d'autres détenus, deviendra impossible? Mais je ne fonctionne pas aux faits divers et je n'établis pas un plan de sécurité de 33 millions d'euros sur la base de l'évasion d'un individu. Et ce plan gouvernemental annoncé, on l'a vu, à grand renfort de communication, qu'est-ce qu'il va changer? Eh bien, plusieurs dizaines de millions d'euros vont être investis pour empêcher que des objets rentrent illégalement en prison. Ce sont par exemple des portiques comme on peut en voir dans les aéroports ou bien des filets pour empêcher que des objets soient projetés par-dessus les murs. Et c'est efficace? Apparemment non, puisqu'à Condé-sur-Sarthe, il y a quelques semaines, la compagne d'un détenu a fait entrer illégalement un couteau en céramique avec lequel 2 surveillants ont été agressés. Ce plan, il vient aussi renforcer les mesures de sécurité encadrant les DPS, les détenus particulièrement signalés. En fait, l'évasion de Faïd a révélé des pratiques très différentes en fonction des établissements. Donc un nouveau texte va venir harmoniser et renforcer ces mesures de sécurité. Bien, on imagine qu'avec toutes ces mesures, ce plan, ces millions qui sont investis, une évasion de Redouane Faïd est désormais impossible. En théorie, oui. Et pourtant, il va y parvenir en organisant lui-même sa propre exfiltration. Le centre pénitentiaire sud-francilien, à Réau. C'est dans cette prison récente, réputée parmi les plus sûres de France, qu'est incarcéré Faïd depuis le 21 novembre 2017. Condamné à 10 ans de prison après son évasion de l'île Sequedin,
Il figure sur la liste officieuse des 10 détenus les plus susceptibles de s'évader. La direction de la prison a donné des consignes spécifiques. Des palpations de sécurité quotidiennes, 2 fois par mois, des fouilles à nu, avant et après chaque parloir, une fouille intégrale et l'interdiction de tout contact avec les autres détenus. Ce surveillant parle sans autorisation, son interview a été reconstituée. Quand il allait au téléphone, tout son secteur était bloqué. C'était le seul détenu que j'ai vu en France pour qui on bloquait même le personnel. On bloque tout le monde. Il passe avec 2 surveillants et un gradé du quartier d'isolement, comme une star. Il est starifié. Tout le monde le regarde. C'est-à-dire que pour lui, la prison ne tourne plus pendant 20 à 30 minutes. Mais ces mesures ne vont pas suffire. Dès le début, les surveillants s'inquiètent de son comportement. Edouane Faïd, il scanne. Il scanne les lieux. On a l'impression qu'il mesure chaque centimètre carré et il maîtrise son espace. Faïd, c'est lui qui nous observait, en fait. Il prend ses marques, il prend ses repères, il s'habitue. Les agents font remonter ces observations à leur hiérarchie. À partir de janvier 2018, moins de 2 mois après l'arrivée de Faïd, la direction régionale envoie des emails d'alerte auprès de la direction de l'administration pénitentiaire. La direction régionale de Paris réitère la demande de transfert en urgence, par mesure de sécurité et surtout pour éviter un incident très grave. Pendant 6 mois, des messages toujours plus alarmistes réclament le départ de Faïd de la prison de Réau. Sans réponse de la direction centrale. En février 2018, les surveillants de Réau soufflent. Le braqueur est jugé en appel à Paris pour l'attaque ratée d'un fourgon blindé dans laquelle la policière municipale Aurélie Fouquet a été tuée. Le temps du procès, Faïd est transféré à Fleury-Mérogis. À l'issue de ce procès, des peines seront prononcées à l'identique, peut-être plus. Voilà, après, nous, ce que nous aurions souhaité, ce sont des aveux, mais je pense que nous ne les obtiendrons pas. Redouane Faïd est condamné à 25 ans de prison pour association de malfaiteurs. Il se pourvoit en cassation. Cinq jours plus tard, à la grande surprise du personnel du centre pénitentiaire, le braqueur est de retour à Réau. Un des chefs qui l'accueille ce jour-là me dit « Mais tu peux pas imaginer la réaction de Redouane Faïd d'être agréablement surpris de se retrouver à Réau. » Je pense que c'est pas la qualité de la bouffe qui lui a manqué. Quand il revient, il est content. Il est content parce qu'il est dans un environnement qu'il maîtrise. Dans un lieu connu, c'est plus facile de préparer quelque chose d'illicite. Moins de 15 jours après le retour de Faïd à Réau, la direction régionale redemande par email son transfert à l'administration centrale. Il a déjà repéré toutes les failles de la structure et la connaît trop bien maintenant. Nous savons par expérience que c'est juste une question de temps. Le 22 juin, après de nombreuses relances, la direction de l'administration pénitentiaire finit par répondre. Le transfert aura lieu dans le courant du mois de septembre. Cette réponse provoque la colère de la direction régionale. Je considère votre décision très dangereuse pour le centre pénitentiaire sud-francilien, pour le personnel et pour l'ordre public. Le 1er juillet 2018, 9 jours après cet email, Redouane Faïd s'évade une deuxième fois. Je reçois un coup de téléphone de mon adjoint chef de service qui me dit en ces termes « Faïd s'est barré ». La spectaculaire évasion. L'évasion du braqueur Redouane Faïd. Je reçois un SMS sur un des téléphones qui me dit « Redouane Faïd s'est évadé ».
Et je pense au départ spontanément à une blague. Et ensuite, je regarde le deuxième téléphone et là, je vois que j'ai une vingtaine d'appels en absence. Et donc là, je comprends qu'il y a un énorme problème. Redouane Faïd s'est enfui de la prison de Réau à bord d'un hélicoptère. C'est un petit peu l'incrédulité quand même qui m'envahit. Parce que c'est un détenu particulièrement surveillé. Les questions sur son évasion sont nombreuses. Ma réaction, c'est comment c'est possible qu'il s'évade encore, justement. Et d'un autre côté, alors qu'on est condamné à 25 ans de réclusion criminelle, comment ne pas envisager la suite de sa vie qu'au travers d'une évasion ? Redouane Faïd est de nouveau en cavale. ...1750 policiers et gendarmes sont mobilisés, une nouvelle fois. Mais les opérations de contrôle ne donnent rien. Aux côtés de la PJ de Versailles, l'Office central de lutte contre la criminalité organisée repart sur les traces du fugitif que ses équipes avaient interpellé 5 ans plus tôt. Le 1er juillet, c'est un dimanche, veille de grand départ en vacances. C'est quelque part une des périodes les plus délicates de l'année, tout simplement. Si ce n'est qu'en police judiciaire, on a une capacité à mobiliser très rapidement des gens. Rapidement, toute la brigade qui est dépêchée sur place, tous les enquêteurs qui sont disponibles, qui d'initiative vont aller travailler. Au bas mot, on est entre 80 et 100 enquêteurs de police judiciaire qui rapidement sont envoyés, dépêchés sur les différentes scènes de crime. Et voilà, c'est reparti. Donc, direction le service, vous laissez femme et enfants, et c'est parti pour 3 mois intenses. Place Vendôme, le cabinet de la ministre Nicole Belloubet est submergé par de fausses rumeurs. Youssef Badr, le porte-parole du ministère, doit les désamorcer. J'ai des médias qui m'appellent pour me dire il s'est évadé avec plusieurs détenus, donc il ne serait pas parti seul, avec d'autres DPS et tout ça. Donc du coup, j'essaie de vérifier ces éléments-là, en fait, au départ. C'est déjà ce qui va être dit, que les prisons sont des passoires, qu'il y a une espèce de laxisme ou qu'il y a une espèce de laisser-aller, qu'on va probablement aussi s'en prendre aux surveillants en évoquant des éventuelles complicités internes et tout ça. Donc là, on sait très bien que, de toute façon... on nous attend à l'oreille du bois, c'est évident. En fin d'après-midi, le 1er juillet, la ministre se rend à Réau. Venu lui aussi soutenir les surveillants, le syndicaliste Régis Grava l'interpelle sur les demandes de transfert de Faïd. Je dis à la ministre, il y a des éléments qui prouvent clairement qu'il y avait quelque chose qui se préparait et les agents vont remonter. Maintenant, qu'on fait vos services. Donc sa réponse est une réponse politique. Si on pouvait vraiment prévoir avec certitude, où elle dit qu'elle acquiesce, qu'elle met un mi-mot et elle est super gênée par ça. Devant les journalistes, Nicole Belloubet ne met pas en avant la question des transferts, mais confirme une faille dans la sécurité de la prison. Nous avons là un commando qui sans doute avait repéré les lieux par le biais de drones, l'enquête judiciaire qui est en cours le dira certainement, et qui a donc conduit à cette évasion tout à fait spectaculaire en permettant à un hélicoptère de se poser sur la seule cour de la prison qui n'était pas couverte par des filins de sécurité. Donc en fait, la première faille qui est identifiée, c'est ça. Et la première question que se pose la ministre, c'est de se dire pourquoi il n'y a pas de filin anti-hélicoptère dans la cour d'honneur. On découvre juste qu'en 2011, lorsque l'établissement est livré, en fait, les filins anti-hélicoptères sont prévus dans le cahier des charges. Donc ils sont prévus sur la cour d'honneur. On ne saura jamais parce qu'on n'y était pas, mais on ne saura jamais pourquoi ils n'ont pas été installés. La garde des Sceaux livrera l'explication 2 mois plus tard, devant une commission de l'Assemblée nationale. Elle est plutôt embarrassante pour l'administration pénitentiaire. Ils n'ont pas été posés à la demande de l'administration pénitentiaire. Il a en effet été considéré à l'époque que cette cour d'honneur était un lieu où les détenus ne circulaient pas. Un détenu ne naît dans la cour d'honneur qu'au moment où il rentre dans la prison et où il en sort, ou pour les extractions. Ça n'était à l'époque pas perçu comme un risque. Dès les premières heures,
les policiers analysent les appels de tous les téléphones mobiles à proximité des zones traversées par le commando. Ils repèrent 5 téléphones actifs pendant l'évasion. Ils n'émettront plus aucun signal par la suite. Ces téléphones sont ceux des complices de Faïd. Leurs déplacements permettent de reconstituer l'organisation très minutieuse de l'exfiltration. Les policiers espèrent ainsi remonter jusqu'aux fugitifs. Dès 8h30, le 1er juillet, une Renault Mégane noire se déplace sur la N104 en Seine-et-Marne. Elle fait étape à Lézigny pour déposer un complice. L'homme porte le matériel qui va servir à l'évasion. La voiture dépose ensuite les deux autres complices près de l'aérodrome de Logne. Se présentant comme un père et son fils, les deux hommes prétendent venir pour un vol d'initiation. Ils insistent pour voler en alouette, un vieil appareil capable de transporter 4 passagers, en plus du pilote. La Renault Mégane retourne ensuite à Gonesse et se gare en bordure de la D370 près d'une station essence. C'est là que l'hélicoptère déposera Redouane Faïd et les membres du commando après l'évasion. Au même moment, à la prison de Réau, Redouane Faïd est conduit au parloir, escorté par 2 surveillants. Il est vêtu d'un t-shirt orange, détail qui va avoir son importance. Dans une synchronisation parfaite, le complice de la Mégane donne le top départ par téléphone au commando de l'hélicoptère. L'appareil détourné se pose à Lézigny. Le troisième complice monte à bord. Dans son sac, une disqueuse, des cagoules, des brassards de police et des armes. Le commando est au complet. À 11h18, l'hélicoptère arrive au-dessus de la prison de Réau. Les comptes rendus des surveillants permettent de reconstituer ce qui s'est passé minute par minute. À 11h18, au poste central d'information, une surveillante est alertée par un son inhabituel. J'ai entendu le bruit assourdissant, semblable à celui d'un hélicoptère venant du haut. Un premier individu est descendu du côté droit. Il était vêtu d'une combinaison foncée noire. Un second individu est descendu du côté gauche. J'ai aussitôt appelé la police par la ligne directe. Celle-ci était en dérangement. À la porte d'entrée de la prison, le surveillant-chef tente lui aussi de contacter la police. Sans succès. Un de ses hommes finit par utiliser son portable pour joindre le commissariat le plus proche. À mon grand étonnement, on nous a dit « c'est une blague ». Au bout du téléphone, un policier demande aux surveillants de décliner leur identité, leur adresse, leur fonction. Devant tant de questions, nous nous sommes énervés. Nous lui avons demandé de nous prendre au sérieux et de nous envoyer des renforts tout de suite. Il nous a dit de nous calmer car il suivait la procédure et nous a reposé les mêmes questions. Le surveillant-chef distingue à l'intérieur de l'hélicoptère le pilote tenu en joue par un homme cagoulé. «
Les deux autres membres du commando entrent dans la prison en découpant une porte réservée aux forces d'intervention. Suivant la procédure en cas de crise, les surveillants ramènent tous les détenus dans leurs cellules. Mais pour Faïd, les consignes sont strictes. Il ne doit croiser personne lors de ses déplacements. Donc on est sur le point de bloquer tous les mouvements et de sortir Faïd, et c'est à ce moment-là que le commando arrive. Ça s'est joué à peut-être une petite minute, quoi. Mais vraiment à peu de choses près, parce qu'on avait déjà évacué tout le parloir sauf lui. Le surveillant resté au parloir se retrouve nez à nez avec un membre du commando. J'aperçois un individu cagoulé avec un brassard police qui coupe le pen de la cabine. Cet individu ne m'a pas vu durant sa manipulation. Sans arme, le surveillant est dans l'impossibilité d'intervenir. Redouane Faïd et ses complices rejoignent l'hélicoptère. À 11h28, il quitte la prison. L'exfiltration a duré moins de 10 minutes. La police n'arrivera qu'après le décollage de l'hélicoptère. Dans sa fuite, le commando multiplie les manœuvres pour brouiller les pistes. Après une cinquantaine de kilomètres de vol, l'hélicoptère se pose à Gonesse. Les fugitifs mettent le feu à l'appareil. Le pilote les voit prendre la fuite à bord de la Mégane. Ils se rendent ensuite dans le parking souterrain d'un centre commercial, en bordure de l'autoroute A1. À 11h49, les complices incendient la voiture. Faïd monte dans une Kangoo blanche garée par un complice. À 11h53, la vidéosurveillance du parking prend ce cliché. On y voit Redouane Faïd à la place du passager. La Kangoo rejoint la 1 et remonte vers Senlis. À midi 11, les lignes téléphoniques des membres du commando cessent toute activité. Le premier réflexe, c'est de se dire qu'on a affaire à des malfaiteurs d'envergure. Des gens, pour le coup, dont c'est le métier, qui n'en sont pas à leur coup d'essai, qui sont peut-être entraînés, qui ont même pu répéter cette opération. On n'est pas face à des amateurs. Les enquêteurs décortiquent ce qu'ils appellent les scènes de crime. L'hélicoptère retrouvé à Gonesse en partie brûlé. La Mégane utilisée comme voiture relais et abandonnée par le commando dans le centre commercial, elle aussi calcinée. La Kangoo blanche retrouvée brûlée dans l'Oise, moins de 24 heures après l'évasion. L'ensemble de l'opération a été mené en moins de 5 heures. Aucun coup de feu n'a été tiré. C'est une évasion sans aucun coup de feu, sans aucune résistance. Effectivement, ça peut paraître surprenant, mais les surveillants pénitentiaires ne sont pas armés. Alors depuis peu, certains syndicats réclament des tasers, mais le ministère de la Justice campe sur ses positions. En fait, ce qu'ils craignent, c'est qu'en cas d'évasion ou de mutinerie, ça se termine en bain de sang. Alors, il y a bien des surveillants qui sont armés, ce sont ceux qui sont dans les miradors. Mais ils ont interdiction de tirer sur un hélicoptère en vol. Écoutez les explications du ministère de la Justice. C'est la loi. En fait, on ne peut pas tirer sur un hélicoptère en vol. Et l'hélicoptère fait un vol stationnaire. Si vous tirez, ça veut dire que quelque part, vous sacrifiez aussi les gens qui sont dedans. Or, avec le commando, je crois qu'il y a le pilote, il me semble. Et je pense que les surveillants aussi ne savent pas qui est dedans. Ils peuvent imaginer tous les scénarios possibles. Il y a peut-être des gens qui ont été pris en otage, on ne sait pas. C'est ce qui permet d'expliquer l'évasion de Redouane Faïd, le fait que les surveillants et les surveillantes ne soient pas armés. Alors c'est plus complexe que ça. Le cœur du problème, c'est ce transfert de Redouane Faïd qui n'a jamais eu lieu malgré les nombreuses alertes de la direction régionale. Oui, les échanges de mails qui demandaient ce transfert de prison n'ont
pas donné lieu à un transfert effectif. En effet, chacun se rejette la faute et dans cette administration réputée pour son mutisme, les fuites vont se multiplier. Dès le lendemain de l'évasion, le 2 juillet, Le Figaro va révéler en partie cet échange de mails. Dans ses mails, les services pénitentiaires avaient demandé son transfèrement rapide au vu de sa menace sérieuse de passage à l'acte. Là, vous avez des échanges de mails qui sortent dans la presse où tout le monde se tourne vers nous pour nous dire « Attendez, regardez, on nous avait alerté, on vous avait informé et vous n'avez rien fait. » C'est pas la réalité de ce qui se passe. Et là, les fuites qui sont données sont en plus parcellaires et donc forcément partiellement fausses. La personne qui fait sortir une information a toujours intérêt à la faire sortir. J'en ai pas tiré de conclusion à partir du moment où je savais pas qui le diffusait ou d'où la fuite émanait. Ces mails traduisent la remontée du terrain qui n'a pas été suivi par ses décideurs. Ça permet aux uns et aux autres de dire la vérité. Pourquoi l'administration centrale n'a pas pris la décision de faire bouger les douanes faillites ? Avec ces fuites qui pointent des dysfonctionnements au plus haut niveau de l'administration pénitentiaire, Nicole Belloubet se retrouve en première ligne. Madame la ministre, quand une telle faillite est ressentie comme inévitable, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. À l'Assemblée nationale, lors de la séance des questions au ministre, les députés demandent des explications. Il y a pu y avoir des erreurs. Et les informations de la presse de ce matin, une demande sans suite de transfert vers un centre mieux sécurisé, nous interrogent. Nous voulons savoir ce que vous comptez faire pour tirer les conséquences de cette évasion. La parole est à Madame Nicole Belloubet, garde des Sceaux, ministre de la Justice. Je souhaite porter un regard clinique sur cette évasion et je souhaite tirer toutes les conséquences qui devront en être tirées. Je dis bien toutes les conséquences, y compris pour mesurer les défaillances et prendre les éventuelles sanctions qui s'imposeraient si cela est nécessaire. Au-delà des erreurs individuelles, ce qui est pointé dans cette affaire, c'est la responsabilité de toute l'administration pénitentiaire. Oui, nous nous sommes procurés cet échange de mails et nous avons le fin mot de l'histoire. Alors face à la colère de la direction régionale, l'administration centrale propose finalement de transférer Faïd à Fleury-Mérogis. Sauf que Fleury, c'est une prison qui est surpeuplée. Salah Abdeslam y est incarcéré. Elle a été ébranlée par le suicide de détenus mais aussi de surveillants. Et surtout, surtout, Faïd la connaît déjà. Donc c'est l'impasse et aucune solution alternative n'est proposée. Alors cette question des transferts, elle va être le révélateur de sérieux dysfonctionnements au sein de l'administration. Et Nicole Belloubet, la ministre de la Justice, va bien être obligée de les reconnaître. Écoutez-la. L'inspection relève une difficulté de ce point de vue. Autrement dit, une insuffisante réactivité des gens qui sont aujourd'hui à l'administration centrale et qui ne répondent peut-être pas avec la réactivité suffisante à ce type de détenus à risque. Bien, c'est clair. La ministre pointe les responsabilités de certains cadres de l'administration pénitentiaire, mais aussi leur décalage, leur déconnexion avec ce qui se passe sur le terrain dans les prisons. Et la crise est telle que Nicole Belloubet va annoncer une réforme d'ampleur, et notamment la fusion des services qui s'occupent de la remontée d'informations depuis les établissements et ceux qui s'occupent des transferts. Et suite à cette crise, le numéro 2 de l'administration pénitentiaire va être écarté. Officiellement, c'est dans le cadre de cette réforme, mais c'est lui qui avait supervisé le transfert de Redouane Faïd. Pendant que le ministère de la Justice fait face à la polémique, à Nanterre, le numéro 2 de la police judiciaire se plie à l'exercice d'une conférence de presse. Je ne suis pas habilité à vous parler du fond de l'affaire, évidemment. Philippe Véroni s'exprime rarement sur une enquête en cours. Mais la police veut montrer que la traque de Faïd est une priorité. Les premières constatations laissent à penser que le commando était composé d'environ 4 ou 5 personnes. Non identifiées, je m'empresse de le dire, évidemment. En fait, un premier membre du commando est sur le point d'être identifié. Rapidement, les enquêteurs abandonnent la piste de complicité dans le grand banditisme. Selon eux, le fugitif Faïd attire trop la lumière. Dans les jours qui vont suivre, ça va être la piste familiale qui va se décider concernant Redouane Faïd.
Il n'y a pas de bandits ou de malfaiteurs qui ont voulu s'associer à son projet d'évasion. Parce qu'ils doivent se douter qu'à côté du moment où il aura réussi à s'évader, il aura sur le dos tous les flics de France. Donc tous ceux qui seront dans son entourage et qui auront été associés seront dans la nasse et seront dans les mailles du filet et seront levés un jour ou l'autre. Au sein de la brigade de recherche des fugitifs, c'est le policier qui avait déjà traqué Faïd après l'évasion de 2013. Qui supervise l'enquête. Nous travaillons sur toutes les archives de la police, notamment les anciennes affaires, et on essaye de ressortir l'identité de ses complices. Et on s'aperçut que Redouane Faïd, des membres de sa famille avaient été mis en cause, notamment deux de ses neveux. Des frères de Faïd et certains de ses neveux sont connus des services de police. Il faut tisser une toile d'araignée, essayer de s'assurer que les gens qu'on cible sont bien là. S'ils sont pas là, on est en droit de se dire qu'ils sont peut-être du coup avec Redouane. Bon, on va s'intéresser du coup à leurs proches, à proprement parler, les frères, les cousins, les oncles, les tantes, les neveux. La plupart habitent la région de Creil, dans l'Oise. Des écoutes téléphoniques sont lancées, les policiers se déploient dans la ville. Un travail de filature très délicat. Chaque cible mobilise 5 à 7 policiers. Ils savent tous qu'à un moment ou à un autre, ils risquent d'être surveillés par la police. Donc on est obligé d'engager beaucoup de fonctionnaires, de façon à ce que ce ne soient pas toujours les mêmes qui soient au contact et qu'il puisse y avoir une rotation, je dirais, dans les surveillances qui vont être exercées. Les enquêteurs vont donc désormais se concentrer sur les membres de la famille de Redouane Faïd. Ils vont se focaliser en fait sur deux frères, les deux frères qui rendent le plus souvent visite à Redouane Faïd en prison, Brahim Faïd et Rachid Faïd. Alors Brahim, il est présent le jour de l'évasion, il nie toute implication. Les enquêteurs vont quand même le placer en garde à vue et ils le relâchent au bout de 30 heures. Et l'autre frère, Rachid ? Rachid, il rend une dernière fois visite à Redouane en prison le 26 mai, c'est un mois avant l'évasion. Et ensuite, il a un alibi solide, il part pour l'Algérie. Donc lui aussi est écarté par la police ? Pas tout à fait, parce qu'en fait, les enquêteurs s'aperçoivent qu'il a un deuxième passeport, qu'il a réservé des billets pour rentrer en Europe en multipliant les escales. Ils perdent sa trace à Amsterdam, mais ils sont convaincus que le jour de l'évasion, il était bien présent en France. Et ça va se confirmer, ça, par la suite ? Un élément vient confirmer cette thèse, l'ADN retrouvé sur le parcours du commando, et il correspond bien à celui de Rachid Faïd. C'est un point important et une sacrée avancée pour l'enquête, car désormais, les enquêteurs, la police, c'est que Rachid Faïd était présent au moment d'évasion. Ils vont décider en fait de ne pas rendre l'information publique parce que ce qu'ils espèrent, c'est que Rachid Faïd les conduise jusqu'à son frère Redouane. Bonjour Stéphane. Bonjour Jérôme. Vous êtes pilote d'hélicoptère. Nous découvrons votre voix, votre visage aussi. On a beaucoup parlé de vous depuis dimanche dernier, depuis cette évasion spectaculaire de Redouane Faïd. Ils me font descendre de l'hélicoptère, ils me prennent en joue avec des armes et des coups de crosse et m'expliquent ce qu'on allait faire avec leur choix d'aller aller chercher un ami à la prison de Réau. Et ils m'expliquent qu'il faut que j'obtempère et que je fasse bien mon travail, sinon... ma famille serait certainement menacée et que quelqu'un était devant chez moi. Très bonne Le récit de la prise d'otage est précis. Mais pour les enquêteurs, des questions persistent. Le vol de l'hélicoptère semble très préparé. Le plein d'essence aurait été calculé au plus juste pour décoller avec 5 passagers. Un vol sans GPS, en rase-motte, pour échapper au radar. Le commando a-t-il été aidé par un expert ? Un autre élément intrigue les enquêteurs. Une proche du pilote a échangé des lettres avec Faïd jusqu'en 2016. Neuf mois plus tard, le pilote et deux de ses proches seront placés en garde à vue. Mais visiblement, aucun élément ne prouve une implication dans l'évasion. Aucune charge n'est retenue. Ils sont tous relâchés. Une découverte en forêt confirme la piste familiale. Les enquêteurs mettent la main sur du matériel utilisé par les malfaiteurs lors de l'évasion. Il a été retrouvé grâce au témoignage d'un chasseur.
c'est quelqu'un qui a pour habitude de fréquenter cette forêt, qui est témoin d'un manège un peu suspect, qui voit des gens qui à l'heure à laquelle il les croise, manifestement n'ont rien à faire dans ce secteur boisé à proximité de Creil, qui va passer son chemin, qui va y retourner par la suite et qui va tomber sur des effets vestimentaires. Identifie parmi les vêtements retrouvés un t-shirt orange qui était porté par Redouane Faïd au moment de son évasion. Cette découverte, ça nous a fait comprendre deux choses. C'est que, un, pour quelqu'un qui s'était évadé le 1er juillet, dormir en forêt, ça veut dire que vraisemblablement, il n'y a pas beaucoup de moyens financiers derrière et qu'il est sur un cercle assez resserré et il est dans sa zone de confort puisqu'il est sur Creil. Donc, les éventuels départs à l'étranger avec une cagnotte cachée, etc., pour nous, ça n'apparaissait pas être la piste la plus pertinente. Donc, on était à ce moment-là, on a acquis la conviction qu'il pouvait être dans le milieu créois qu'il connaît si bien. Sur place, les policiers retrouvent surtout des armes, deux fusils d'assaut et des gilets pare-balles, des éléments qui les inquiètent. Les armes, de manière générale, vous en débarrassez, vous les détruisez, comme les véhicules. La disqueuse thermique aurait dû subir le même sort, parce que vous pouvez laisser des éléments d'ADN sur ces armes, sur ces objets. Donc on est surpris. Mais ça laisse sous-entendre le passage à l'acte vers un nouveau projet criminel. Un futur casse, un centre fort, une bijouterie, une banque, un fourgon blindé. Et donc ça nous met une pression supplémentaire. Le chasseur qui a trouvé les armes identifie l'un des hommes croisés dans la forêt. Il s'agit d'un neveu de Faïd, Isaac. Le témoignage confirme les complicités familiales, mais toujours aucune trace du fugitif. Un autre coup de chance va faire progresser l'enquête. Pris en chasse par une voiture de gendarmerie après un contrôle inopiné, Faïd et un complice se réfugient dans le parking d'un centre commercial. Ils parviennent à prendre la fuite à pied. Rapidement sur place, les gendarmes de la brigade de recherche ignorent que la voiture était conduite par Redouane Faïd. Ils pensent avoir affaire à des cambrioleurs. Je vois rapidement qu'il y a à l'intérieur tout le nécessaire à commettre des cambriolages, à savoir visseuse dévisseuse, pied de biche, marteau. Je m'aperçois également qu'il y a des affaires, donc t-shirt, jean, sales, et également brosse à dents et rasoir. Des boîtes attirent leur attention. L'une d'entre elles contient une matière blanche non identifiée, l'autre, des câbles électriques. Et là, mon collègue me dit immédiatement « Oh là là, attention, on dirait de l'explosif ». Comme je n'ai pas de formation en explosif, la crainte que j'ai à cet instant T, c'est que, effectivement, que ça vienne exploser et qu'on dénombre pas mal de morts, étant donné qu'au-dessus du parking, on a quand même une salle de sport qui est bondée. On est au mois de juillet, donc il fait relativement chaud. Donc ouais, moi, ma crainte à ce moment-là, c'est effectivement que la matière se dégrade et qu'elle vienne exploser. C'est la capitaine Marie Le Néon qui lance l'évacuation. On est une trentaine de gendarmes qui arrivent quasi dans les 15 à 20 minutes. Donc on commence à faire un gel, vraiment des lieux, à pousser les personnes. Et peu de temps après, je sais que la commissaire de Sarcelles arrive aussi avec un maximum de renforts. Et là, on a pu vraiment s'organiser pour vraiment interdire l'accès dans un rayon de 300 mètres, 400 mètres aux personnes, faire évacuer le McDonald's, faire évacuer la salle de sport. Le soir même, les deux fugitifs sont formellement identifiés sur les images de vidéosurveillance. On y voit Redouane Faïd, la main dans un sac où il cache probablement une arme. Et derrière lui, son frère Rachid. C'est une histoire incroyable, une course-poursuite un peu par hasard qui va se terminer donc par l'évacuation de ce centre commercial. Oui, et le plus fou, c'est que si les mèches sont authentiques, les explosifs sont des faux, du simple mastic. Alors une hypothèse consiste à penser que Faïd voulait remonter un braquage. Redouane Faïd n'a donc pas les moyens de se procurer de véritables explosifs, du vrai matériel ?
En fait, Redouane Faïd, il est seul, isolé, et une cavale, ça coûte très cher. Surtout quand on est un bandit connu comme lui, les tarifs, par exemple, pour de faux papiers, ça grimpe vite. Donc il cherche par tous les moyens à se procurer de l'argent. Il envisage, par exemple, de remonter sur un braquage. L'autre élément très important, c'est que dans la voiture, les enquêteurs retrouvent des papiers qui leur permettent de remonter un cybercafé en plein cœur de Paris. Le passage de Redouane Faïd dans ce cybercafé a été filmé par la vidéosurveillance. Nous nous sommes procurés les images. Elles n'ont jamais été diffusées. Regardez. 12 jours après l'évasion, Redouane Faïd et son frère plaisantent dans un cybercafé parisien. C'est ici qu'ils ont acheté, sur Internet, la Laguna Grise, prise en chasse par les gendarmes à Sarcelles. On voit quelqu'un qui est là plutôt serein, hein, qui fait des courses, comme vous ou moi, sans être particulièrement stressé. Bon, il est un petit peu grimé, dans le sens où il porte une casquette pour essayer quand même d'être le moins visible possible. Enfin, en tout cas, il n'a pas de perruque, il n'a pas de moustache, il n'a pas de poney. Donc, mais quelqu'un qui est relativement zen. On ne peut pas rester terré au fond d'un igloo. Donc il faut bien vivre, il faut sortir, il faut voir des gens, il faut prendre des contacts, il faut vivre. Faut vivre, hein. Sinon, si c'est pour pas vivre, autant rester en prison. Donc il faut faire quelque chose. Donc forcément, il s'expose. Les policiers vont organiser des planques devant le cybercafé. Sans résultat. Mais une nouvelle fois, le fugitif va devoir s'exposer. Des unités de la BRI se déploient dans la forêt de Creil. Grâce à des écoutes et des surveillances, les enquêteurs ont compris qu'un rendez-vous est organisé entre un neveu de Faïd et un réseau lié au grand banditisme. Les policiers espèrent qu'il va déboucher sur une rencontre avec Faïd, qui recherche des soutiens logistiques ou financiers. Le neveu prend son interlocuteur en selle, mais au dernier moment, le passage d'un hélicoptère éveille la méfiance des deux hommes. Le rendez-vous n'aura pas lieu. Le neveu fait demi-tour. Les policiers le laissent partir. Il est leur seul lien avec Faïd. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui sur ce fameux rendez-vous secret ? En fait, cette information, elle n'était jamais sortie parce qu'on se trouve en pleine zone grise, hein, celle des indics, des informateurs de la police, et les enquêteurs veulent en dire le moins possible, tout simplement parce qu'en fait, les bandits étudient leurs méthodes pour mieux les déjouer ensuite. Et après ce rendez-vous, que devient le neveu ? Bah, d'une manière générale, en fait, les complices de Redouane Faïd se savent surveiller, ils redoublent de prudence, et malgré les énormes moyens mobilisés, les heures d'écoute de surveillance, l'enquête piétine. Les policiers, ils vont explorer toutes les pistes. Alors, il y a un chauffeur de taxi qui leur parle d'une conversation qu'il a entendue dans sa voiture. Une journaliste qui tenterait d'avoir rendez-vous avec Redouane Faïd. Alors, ce qu'ils vont faire, c'est avec l'accord des juges d'instruction, ils vont placer cette journaliste sur écoute et il y aurait même eu des filatures. Ce qui va poser question, parce que ces pratiques sont contraires aux règles du secret des sources. Oui, d'ailleurs, sa chaîne BFM TV a annoncé son intention de porter plainte. Et cette piste du taxi, elle va mener à quelque chose ? Cette piste, elle ne va mener à rien. En fait, la traque, elle est au point mort. Donc les policiers vont accentuer la pression sur l'entourage de Faïd pour faire un peu bouger les lignes et ils vont cibler tout particulièrement sa famille. Le 5 septembre, une vague de perquisitions est lancée en Île-de-France et dans l'Oise. Les policiers cherchent à mettre la pression sur l'entourage de Faïd, dans l'espoir que l'un des proches sous surveillance commette une erreur. Au lendemain de cette opération, le premier flic de France rend public la principale piste suivie par les enquêteurs. Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur et des Relations avec les Cultes, bonjour. Gérard. Bonjour. Perquisition, opération de police dans l'Oise hier, dans plusieurs villes, Creil, Méru, Compiègne. On pense qu'il est effectivement réfugié dans sa proximité, dans les lieux qu'il connaît bien, où il a un certain nombre de parents, d'amis, et donc c'est là que les policiers cherchent pour pouvoir l'arrêter.
La déclaration ne facilite pas le travail des policiers, qui ont déjà des difficultés à se dissimuler à Creil. C'est une petite ville, tout le monde se connaît, une petite ville dans laquelle il y a plusieurs quartiers difficiles, dans lesquels y rester longtemps est quasiment impossible. Si on reste trop longtemps dans ce genre de quartier, on est détecté, ce qui pourrait mettre à mal l'intégralité de l'enquête. À Creil, la BRI continue les planques et les filatures. Fin septembre, le changement de comportement d'un neveu de Redouane Faïd intrigue les policiers. Au gré de la surveillance d'un des membres de la famille, on s'aperçoit qu'il a des déplacements qui ne sont pas forcément très cohérents par rapport à ce qu'on peut penser de son activité quotidienne, qui consistait d'ailleurs à rester majoritairement dans sa cité. Ça va attirer notre attention et nous laisser penser que peut-être, à certains moments, il va pouvoir aller au contact de Redouane Faïd. Le téléphone du neveu leur permet de remonter jusqu'à un autre portable. C'est un téléphone qui avait une activité particulière, qui n'était allumé notamment que la nuit. Et donc les filatures engagées pour essayer d'identifier l'utilisateur de ce téléphone nous amènent à identifier un véhicule. Ce véhicule, il va nous amener à Creil et à un immeuble où on avait déjà en fait eu des informations sur la présence dans cet immeuble de manège un peu suspect. Les policiers s'intéressent à l'une des habitantes de l'immeuble. Le jour, elle a une activité normale, mais ses sorties nocturnes sont plus inhabituelles. Elle est en contact avec deux personnes en niqab qui sortent de son immeuble et montent à bord de sa voiture. Des tenues peu courantes dans ce quartier de Creil. On va utiliser à la fois des moyens humains et techniques pour surveiller cette adresse. Et on va revoir de temps à autre ce binôme et effectivement constater que la personne sous le niqab est assez grande, a du mal à se déplacer et qu'il y a de grandes chances pour qu'effectivement ce soit un homme. Difficile de les suivre dans les rues désertes. La BRI mobilise une cinquantaine de policiers pour mettre en place ce qu'elle appelle un jalonnement. Les gens de la BRI sont des gens qui sont complètement rompus à ces techniques et qui, plutôt que de partir en voiture derrière une cible, préfèrent plutôt occuper le terrain, jalonner, occuper la carte et sur les grands axes et permettre de signaler des passages plutôt que d'être derrière, j'allais dire à la queue leu leu, ou à 1h ou 2h du matin avec les phares, ça peut être très délicat. Au cours de la troisième nuit, l'utilisatrice du véhicule va déposer les individus à un autre véhicule. Et là, les individus auront enlevé leur burqa. Extrêmement méfiant. Donc ça nous conforte dans l'idée que ces individus sont à minima des gens recherchés et particulièrement aguerris. Les enquêteurs tentent d'établir que l'un des deux suspects est bien Redouane Faïd. Mais ils leur donnent du fil à retordre. On est face à un individu qui connaît très bien notre façon de fonctionner. Pour déjouer nos surveillances, le moindre rond-point, il va faire deux fois le tour et il va rouler très en dessous des limitations de vitesse. De façon à ce que, si un véhicule le suit, il soit automatiquement détecté. Finalement, à la faveur d'un éclairage, les policiers pensent avoir identifié le fugitif. On acquiert vraiment à ce moment-là la conviction que la personne qui se trouve au tout départ de notre surveillance en passager du véhicule, c'est à 99% Redouane Faïd. L'assaut est donné après 93 jours de traque. Faïd est interpellé à 4h20 du matin,
avec son frère Rachid et ses deux neveux. En tout, 7 personnes sont mises en examen. Comme en 2013 et la fin de sa première cavale, le chef d'enquête est sur les lieux. Il me reconnaît, hein, je le vois dans son visage. Il est assis menotté, mis à disposition par les groupes d'intervention. On a des armes retrouvées à proximité de lui. Il est hagard, voilà. Il sait que c'est perdu. Puis tout de suite, voilà, le naturel revient au galop. Et il va nous demander qui l'a balancé. Assez rapidement, il va se mettre à parler, presque à sourire, quoi. Voilà, parce qu'il sait que... Je pense qu'il a déjà en tête le troisième projet. Redouane Faïd retourne en prison. Une cellule l'attend dans le centre de haute sécurité de Vendin-le-Vieil. Les mesures d'isolement sont encore renforcées. Pour cette nouvelle évasion, Faïd risque jusqu'à 20 ans de prison.